Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand est vraiment le livre qui a changé de ma vie. C'est exactement comme quand vous rencontrez quelqu'un et que vous avez un coup de foudre. Pour moi, le ciel m'est tombé sur la tête avec ce livre. Et je dis le ciel en pesant vraiment mes mots parce qu'il y a une part d'élévation, de rapport à l'infini, de rapport à ce qui nous dépasse. Et en même temps, c'est l'infini poétique. C'est très rare de rencontrer un héros comme Cyrano qui va nous arracher au réel comme ça. C'est comme si d'un seul coup, il n'y avait plus de chaise, il n'y avait plus de situation, il y avait juste cette rêverie à partir de la langue. Parce qu'en plus, nous parler en alexandrin, nous parler depuis le 19e siècle en alexandrin et nous toucher, il faut vraiment être très très fort. Et pourquoi il a changé ma vie, en fait, ce livre, c'est parce que après, j'ai plus jamais vu l'amour de la même façon. En plus, j'étais jeune, donc ça a été une révélation qui est arrivée au bon moment, parce que c'est très important de comprendre très vite pourquoi l'amour, finalement, c'est le seul sujet. Et s'il a tant changé ma vie, c'est qu'après, il m'a rendue très exigeante dans la formulation de l'aveu amoureux. Et finalement, dans ce moment, qui est un moment de grâce, où la personne en face de vous va vous dire qu'elle vous aime. Et où vous allez vous découvrir, vous mettre à nu et lui dire aussi que vous l'aimez. Et là, j'en veux un peu à Cyrano parce que je me suis rendu compte que plus jamais dans ma vie, je pourrais tomber amoureuse de quelqu'un qui ne savait pas me dire, enfin me répondre avec cet infini de la langue, en fait, par rapport à l'infini des sentiments. Donc je pense que tous les vrais livres qui vous marquent et qui vous pétrissent comme ça, ce sont des livres où vous leur en voulez un peu de temps les aimer, parce qu'ils influent beaucoup sur le rapport au monde et le rapport aux gens. Donc ce livre, je l'ai en plein de versions, en fait. Hein. C'est autant des petits de poche pour quand je voyage, que des versions anciennes pour qu'il y ait un rapport, en fait, un rapport tactile, un rapport charnel avec un texte qui est tout autant héroïque que sentimental, ce qui pour moi est en fait le vrai équilibre humain. C'est un vrai amoureux, c'est tout autant un héros qui sait faire de l'escrime que en même temps batailler avec les mots. Et on trouve aussi une version énorme. Celle-ci, je risque pas l'emporter dans ma valise. Et ça, c'est quand je rêve à côté de mon lit. Elle est toujours à côté de mon lit. Et je peux pas m'endormir sans avoir cette version un peu ogresque à côté de mon oreiller. Et plus j'ai de versions de Cyrano à côté de mon oreiller, plus en fait j'ai l'impression que je vais baigner dans le rêve au moment où je m'endors. Donc c'est ça aussi un vrai livre qui change la vie. C'est un livre qui après vous ne pouvez plus vivre sans. Vous ne pouvez plus, c'est impossible. Ça correspond tellement à votre vision du monde et à un dépassement aussi de cette vision en même temps que après me priver de cette jouissance est impossible. Ce qui fait qu'on a aussi une version qui est presque un handicapé. Enfin, elle est la tranche est arrachée. Je l'ai tellement manipulée. J'ai tellement rêvé sur ce livre. Qu'on a un livre en fait qui est un livre vivant, donc un livre avec des blessures.